Donc, j'ai pas choisi au hasard cette histoire de poisson, mais au final, vous comprenez que tout ce qu'on a fait là, c'est que théorique. On n'a jamais été voir les poissons en vrai. Et en fait, tout ça, c'est un exercice théorique qu'on a fait pour montrer une démonstration mathématique et biologique. D'accord? On est parti des principes de la reproduction qui nous dit que dans les spermatozoïdes et dans les ovules, il y a un seul allèle. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le groupe sanguin en introduction. Il n'y a qu'un seul allèle. Donc, dans cet océan, il y a des spermatozoïdes qui portent l'allèle A, il y a des ovules qui portent l'allèle. Enfin, pardon. Il y a des spermatozoïdes qui portent l'allèle A, il y a des spermatozoïdes qui portent l'allèle B, il y a des ovules qui portent l'allèle A, il y a des ovules qui portent l'allèle B. Et on a vu dans le modèle numérique que je vous ai présenté, là encore, il n'y avait rien de réel. C'était du hasard de rencontre d'un modèle théorique de rencontre de spermatozoïdes et d'ovules qui font des bébés, qui font des individus. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'au cours des générations, lorsque les spermatozoïdes et les ovules se rencontrent au hasard, est-ce que dans une population, les fréquences des génotypes et les fréquences allélique, est-ce qu'elles vont changer au cours du temps? Et en fait, pour l'instant, en aucun cas, je vous ai parlé de ce qui se passe dans la réalité. On vient de faire qu'un modèle théorique. On verra la prochaine séance pourquoi on a fait ce modèle théorique. Mais ce modèle théorique, il nous permet de voir que d'une génération à l'autre, tout à l'heure, on avait pour les fréquences génotypiques 2%, 29%, 68%, et à la génération suivante, 3%, 27%, 69%. Ça n'a quasiment pas changé. Le hasard, malgré le fait que ce soit du hasard, a mené aux mêmes proportions en termes de génotype. Pour ce qui est des fréquences alléliques, tout à l'heure, on avait pour petit p 17%, pour petit q 83%, et après la simulation, on a 17%, 83%. Les fréquences alléliques non plus n'ont pas bougé. Et pourtant, les spermatozoïdes et les ovules, ils se sont rencontrés uniquement au hasard et rien n'a bougé. Et bien en fait, ce qu'on vient de voir là, d'un point de vue mathématique, c'est hyper logique. Pourquoi? Parce qu'on a dit que des spermatozoïdes A dans l'océan, il y en avait une proportion de petit p. Des spermatozoïdes B dans l'océan, il y en avait une proportion de petit q. Des ovules A dans l'océan, il y en avait une proportion de petit p. Et des ovules B dans l'océan, il y en avait une proportion de petit q. Eh bien, en aucun cas, c'était nécessaire de se faire cette simulation numérique, puisque la simulation, elle est là. On sait exactement quelle proportion on va avoir de chaque génotype quand on regarde ce tableau de croisement. Puisque quand un spermatozoïde A rencontre un ovule A, bah, les probabilités qu'ils se rencontrent, c'est P fois P. P fois P, c'est P au carré. Quand un ovule B rencontre un spermatozoïde B, les chances qu'ils se rencontrent, c'est Q fois Q. C'est Q au carré. Qu'un ovule A rencontre un spermatozoïde B, les chances qu'ils se rencontrent, c'est P fois Q, c'est PQ. Et qu'un spermatozoïde A rencontre un ovule B, c'est P fois Q. Donc, ce génotype-là, F de AA, la probabilité de l'obtenir, elle était de P au carré. Ce génotype-là, BB, la probabilité de l'obtenir, elle était de Q au carré. D'accord? Pardon, c'est en dessous. Elle était de Q au carré. Et le génotype AB, la probabilité de l'obtenir, ben AB, on l'a là, PQ. Et on l'a là aussi, PQ. Donc c'est PQ plus PQ. PQ plus PQ, c'est 2PQ. D'accord? Donc la probabilité d'avoir le génotype AB était de 2 fois P fois Q. Et bien en fait, la simulation numérique, ça servait à rien, parce qu'il suffisait de faire ces calculs de probabilité, et on aurait obtenu exactement ces proportions-là. Donc ce modèle-là, c'est un modèle théorique. On voit bien que tout est théorique. On n'a jamais été voir les vrais poissons en vrai. Ce modèle théorique, il se base sur quoi? Il se base sur le fait que quand des allèles se rencontrent, ben, ça forme des nouveaux génotypes et ce sont des individus. Donc ça, c'est les connaissances de la biologie. Et en termes de probabilité, en mathématiques, quand on combine deux probabilités, ben, on multiplie, donc ça fait P fois P. Donc en fait, rien de réel dans tout ça. Ce n'est qu'une théorie. Cette théorie qu'on vient de voir, qui nous permet de prédire à la prochaine génération quelles seront les proportions des différents génotypes. De dire que le génotype AA, il sera à une proportion de P au carré.
que le génotype AB il sera une proportion de 2 fois P fois Q, de 2PQ, et que BB il sera une proportion de Q au carré, ce modèle théorique, ça s'appelle le modèle de Hardy-Weinberg. C'est un modèle qui est hyper théorique, et dans la réalité, vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais de connaître cette théorie-là, vous allez voir, ça va nous apprendre beaucoup de choses sur des populations réelles quand on va essayer de comparer la théorie à la réalité, et c'est ce qu'on fera vendredi prochain.